une troisième voie parce que les Ivoiriens en ont assez d'être instrumentalisés par des individus qui les opposent les uns aux autres sur la base d'un discours de pureté raciale ou de repli communautaire. Les Ivoiriens ont découvert que ce discours d'ethnicité n'est qu'un instrument de conquête ou de conservation de pouvoir, avec lequel on les mobilise et dont on se sert pour piller les ressources collectives à l'abri des populations qu'on utilise comme bouclier de protection. Une troisième voie, parce que les Ivoiriens veulent avoir des dirigeants qui posent leurs problèmes, à savoir comment on redistribue de manière équitable les ressources collectives et comment on les utilise pour générer le développement au profit de tous, sans distinction d'ethnie, de religion ou d'origine sociale. Les Ivoiriens veulent avoir des dirigeants qui ne s'enrichissent pas avec l'argent public et qui peuvent justifier de la possession de tous leurs biens par leur travail. Ils ne veulent plus de personnes qui ont volé des milliards d'argent public pour le mettre sur leur compte et qui demandent que ces comptes soient dégelés alors que le peuple qui a été spolié de ses fonds continue de croupir sous le poids de la misère. Ils ne veulent plus de personnes qui ont osé transporter des déchets toxiques pour venir tuer leurs propres compatriotes. Ils ne veulent plus des personnes qui s'enrichissent en octroyant des marchés publics de gré à gré à leurs propres entreprises ou aux membres de leur clan. Ils ne veulent plus de dirigeants qui protègent les criminels alors qu'ils disaient qu'ils s'opposeraient à toute forme d'impunité lorsqu'ils seront au pouvoir. Ceux-là ont trahi le peuple et le peuple veut des hommes de rupture qui n'ont jamais volé de biens publics et qui n'ont jamais cautionné les injustices et les abus de pouvoir. Le peuple est fatigué et il a démasqué les imposteurs qui ont des solutions des années 45 ou 60, qui gèrent le pays de manière archaïque et qui ne peuvent pas résoudre nos problèmes des années 2014 et suivants. Le peuple est fatigué des gens qui importent des formules préconçues et inadaptées du FMI et qui viennent fixer des scolarités dans nos universités publiques à 800 000, voire plus, dans un pays où le SMIG est à 60 000 francs CFA par mois, ce qui signifie une scolarité 3 à 4 fois plus chère en valeur absolue relative que la scolarité dans les universités publiques françaises. Le peuple ne veut pas avoir affaire à des individus qui ont eu pendant 10 ans la responsabilité de gérer le nord du pays et qui l'ont mis en lambeaux et en pâture et en ont pillé les ressources collectives en affamant les populations qui ont été terrorisées, dépouillées pendant toute une décennie. Le peuple ne veut plus avoir affaire à des individus qui ont eu pendant 10 ans la responsabilité du nord du pays et qui ont exercé un pouvoir dictatorial. Le peuple ne veut plus avoir à sa tête des cancres revanchards qui sont incapables de faire l'effort intellectuel de rédiger un simple mémoire de maîtrise pour eux-mêmes et qui, n'ayant pas les aptitudes intellectuelles pour résoudre leurs propres problèmes, ne peuvent en avoir pour résoudre des problèmes plus complexes auxquels tout un pays est confronté et qui ne font que proposer des solutions inadaptées aux problèmes dont souffrent nos populations.